Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de bouchons sans pâte. Les bouchons, c'est une petite bouchée vapeur de La Réunion, donc avec de la viande ou du poisson. Et voilà, donc c'est un mets très très apprécié là-bas et par tous les Réunionnais. Donc je vous laisse avec les ingrédients. Pour une soixantaine de bouchons, vous aurez besoin d'un oignon, d'un citron vert ou d'un combava, de petites crevettes, je vais vous expliquer pourquoi, un peu de ciboulette, un peu de persil, un peu de gingembre, après c'est en fonction des goûts pour les herbes, de la maïzena, donc là il y a 2 cuillères à soupe de maïzena, et 500 g de viande de votre choix. Ici c'est de la chair à saucisse parce que je vais faire des bouchons porc-crevettes. À cela, vous rajoutez une cuillère à café de sauce huître, une cuillère à café de sauce soja et les épices que vous voulez. Là, j'ai rajouté quelques baies roses. Voilà. Et en fait, les sauces soja et sauce huître, vous pouvez trouver chez les Chinois. Pour finir cette liste d'ingrédients, il vous faut un peu de farine dans un plat et un peu d'eau chaude. Voilà! Je commence par prendre un mixeur et couper mon oignon en petits morceaux et le mixer pour en faire vraiment des tout petits petits bouts. Et voilà, et puis vous voyez le petit pied de Baby Chou parce qu'elle est en écharpe et fait dodo. Avant de mixer mon oignon, je rajoute mes épices. Donc là, c'est les baies rouges, les baies roses, pardon, comme je vous ai dit. Donc c'est une petite graine qui ressemble un peu au poivre et ça vient de chez moi. Enfin, je veux dire, ça vient de chez moi. À La Réunion, on en a beaucoup et puis on aime beaucoup, beaucoup ça. Après avoir mixé l'oignon et les épices, donc rajoutez pas de sel hein, parce que la sauce soja va faire le tout, je mets tout ça dans un bol et je rajoute à ça ma chair à saucisse. Donc du coup, vous rajoutez ce que vous voulez comme viande. Hein. Vous pouvez mettre de la viande blanche, vous pouvez peut-être faire aussi au bœuf, mais bon, on fait pas trop au bœuf, nous à La Réunion, on fait surtout au porc. À ça, je rajoute du coup mes herbes. Donc là, j'ai rajouté du persil, du gingembre. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, d'habitude on ne met pas de persil, là c'est de la ciboulette, donc normalement on ne met pas de ciboulette non plus, on met le vert de l'oignon en fait normalement, vous voyez les branches d'oignon vert là. Et je rajoute aussi ma maïzena bien sûr. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai Gabriel qui dort sur moi, donc voilà. Donc alors après la maïzena, je vais mettre une cuillère à café de sauce d'huître, donc pour donner du goût, et c'est vraiment très très bon, c'est un petit goût sucré, c'est trop bon. Juste après ça, je mets ma cuillère à soupe cette fois-ci. Donc une cuillère à soupe de sauce soja. Tout à l'heure, je me suis trompée, je vous ai dit une cuillère à café, mais non, c'est une cuillère à soupe de sauce soja. Donc une cuillère à café de sauce huître et une cuillère à soupe de sauce soja. Et je rajoute un peu de zeste de citron vert. Vous pouvez mettre du citron vert ou bien du combava en fait. Moi, j'ai mis du citron vert pour remplacer le combava parce que j'en avais pas sous la main. Et après ça, ben, on mélange le tout. Donc là, c'est la recette de base, on va dire. Là, je rajoute les crevettes, donc je vais les mixer. Et je les incorpore à ma viande et je mélange. J'ai voulu
faire une variante et rajouter un peu de piment. Donc j'ai rajouté deux piments oiseaux que j'ai donc des piments verts oiseaux que j'ai mixés et que je rajoute à la préparation pour donner un petit peu de piquant. C'était très bon, mais très piquant. Et ensuite, l'étape cruciale de la pâte, on va dire, donc pour fermer le bouchon. Donc normalement, c'est de la pâte wonton. Désolée, je sais pas trop comment dire. Vous pouvez en trouver chez les marchands chinois, mais là j'en avais pas. Et c'est carrément mieux en fait. Donc pour faire la pâte, pour fermer le bouchon, vous devez prendre pardon, une boulette de viande que vous avez fait en boulette, une petite boulette de viande. Vous la trempez dans de l'eau chaude. Vous mettez dans la farine, donc la roulez bien dans la farine. Vous la remettez dans l'eau chaude et vous la remettez dans la farine. Et voilà, c'est tout. Donc je répète, vous prenez votre boulette de viande, vous la trempez dans de l'eau bouillante, vous trempez dans la farine, vous retrempez dans de l'eau bouillante, l'eau chaude, et vous remettez dans la farine, et c'est tout. Après, vous mettez de côté dans un plat. Ensuite, on passe à l'étape de pré-cuisson. Donc vous prenez votre bouchon. Et vous la mettez dans de l'eau bouillante, donc sur le feu, et vous attendez en fait que ça, elle va remonter toute seule en fait, votre bouchée, donc votre bouchon va remonter tout seul à la surface. Je vais vous montrer. Donc voilà, là c'est de la pré-cuisson. Donc là vous voyez, la boulette elle remonte, donc c'est que le bouchon est pré-cuit. Donc c'est bon, là à partir de là vous pouvez soit les faire en panier vapeur comme je vais faire moi, ou sinon vous pouvez les congeler pour les reprendre pour plus tard et les faire plus tard. Généralement ça met peut-être 1 minute à se pré-cuire, mais attention, plus votre bouchon il est gros, plus ça prendra du temps à remonter et donc à être pré-cuit. Moi vu que c'était une recette pour l'instant, pour l'instant présent on va dire, du coup je les mets dans un panier vapeur, donc le panier cuisson vapeur de ma Marmitari. Et voilà, bah je vais les faire cuire. Donc là, j'ai mis tous les bouchons à l'intérieur. J'ai rempli ma Marmitari, donc mon cuiseur à rideau. Je les mets dessus et je les laisse cuire environ 15-20 minutes, grand maximum. Là, mes bouchons porc crevettes sans pâte, donc sans pâte wonton, comme on dit. Voilà, donc c'est super bon. Vous pouvez manger ça avec une salade ou avec du pain. C'est super bon. Voilà, bon appétit. Et puis, bah, comme vous voyez, ça fait fureur chez moi.